Donc moi j'ai utilisé 6 pelotes, 6 au total de pelotes jaunes, 2 pelotes de marron. Il me faudra également une pelote noire pour les yeux et du blanc pour les éclats et un petit peu une pelote de beige. Donc là, je vais vous montrer seulement le socle et les anneaux et dans la partie 2, le reste. Pour le crocheté, donc c'est une pelote numéro 3. J'ai utilisé un crochet 2,5. J'ai eu besoin de watts, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, donc on va faire la base. Pour ça, on prend notre fil de couleur jaune. On vient faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va venir faire 6 augmentations. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Le rang d'après, on répétera une maille serrée, une augmentation, on obtiendra 18 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Et le rang suivant, on fera 6 mailles serrées, une augmentation, et on obtiendra 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, donc j'ai mis 72 mailles. Maintenant, on va continuer nos rangs d'augmentation. Je vais répéter 11 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 78 mailles. Ensuite, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Le rang d'après, je répéterai 12 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 84 mailles. Le rang suivant, je répéterai 13 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 90 mailles. Le rang suivant, 14 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 96 mailles. Le rang d'après, 15 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 102 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire que des tours de mailles serrées. Donc, je vais en faire plusieurs pour pouvoir faire le socle de ma première partie. Donc, en fait, c'est vraiment le socle avec la pointe. Et ensuite, on viendra faire les anneaux. Et donc, je vais faire plusieurs tours de mailles serrées et lorsque ce sera fait, je vous dirai combien exactement j'en ai fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs de 102 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 15 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 96 mailles. Le rang d'après, je répéterai 14 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 90 mailles. Le rang suivant, 13 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 84 mailles. Le rang suivant, 12 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 78 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 72 mailles. Le rang suivant, je répéterai 10 mailles serrées, une diminution. Et j'obtiendrai 60. Voilà, donc j'ai fait mes diminutions et après j'ai continué. Donc après nos 9 mailles serrées, une diminution, on obtient 60 mailles. Ensuite j'ai fait 8 mailles serrées, une diminution et j'ai obtenu 54 mailles. Et ensuite j'ai fait 7 mailles serrées, une diminution
et j'ai obtenu 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que c'est fait, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les refaire en mailles serrées pendant 2 tours. Ensuite, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que c'est fait, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution et on se retrouve à ce moment-là. Voilà ce que ça donne lorsque j'ai eu fini mes rangs de mailles serrées et de diminution. Donc le dernier rang que je vous ai dit, c'était les 4 mailles serrées, une diminution, on obtenait 30 mailles, donc celui-ci. J'ai fait ces 30 mailles en mailles serrées pendant 20 tours. Une fois que ça a été fait, maintenant ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées et je vous dirai combien de tours j'ai réalisé. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées, donc au total j'ai fait 10 rangs de 24 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Et le rang suivant, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas de ouater petit à petit votre travail. J'ai terminé la base, donc là où va venir se mettre les petits anneaux. Donc maintenant, pour les anneaux, ce qu'on va faire, c'est... On va reprendre notre fil jaune. On va faire un nœud sur notre crochet. On va faire 55 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 25. Maintenant, je vais sauter la dernière maille que j'ai faite. Et dans les suivantes, je vais faire des mailles serrées. Au total, je vais faire 54 mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé. Au total, j'ai fait 20 tours en aller-retour. Donc à chaque fois, j'ai fait mes 54 mailles serrées. Arrivé à la fin, j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et j'ai repris mes 54 mailles serrées. Et au total, donc en comptant le premier rang ici avec nos mailles en l'air, j'en ai fait 20. Donc c'est mon premier anneau. Et maintenant, une fois que nous avons fait tous nos rangs, tout simplement, donc moi je vais venir le placer comme ceci. Et coudre, donc maille par maille. Donc c'est un peu compliqué parce que vous voyez, il se retourne un peu. Faut bien le maintenir. N'hésitez pas à mettre des petites pinces ici, pinces à linge, pour pouvoir maintenir votre travail pendant que vous faites la couture. Je mets comme ça tout simplement parce que je trouve que le rendu à la fin est plus joli. En fait, on voit moins que lorsque je le plie comme ça, ça me fait quand même une démarcation. Donc je préfère le coudre comme ceci pour qu'il prenne de suite la forme. Et tout simplement, on va coudre maille par maille. Les 54 mailles serrées avec les 54 mailles en l'air. Voilà, donc j'ai fini ma couture. Maintenant, donc j'ai gardé mon aiguille avec mon fil, je n'ai pas coupé. Je n'ai pas fait de nœud encore. Je vais venir ouater mon anneau. Hop. Voilà, donc j'ai ouaté, donc en passant d'un côté puis de l'autre.
j'ai laissé un peu de vide sur les coins parce que maintenant on va venir le coudre comme ceci. Donc au départ on va venir coudre, donc hop. Maille par maille. Donc vous voyez, on les met bien en face. Et on va essayer de faire tout le tour comme ceci. Lorsque vous arriverez à la fin de votre couture, vous laisserez un espace et on passera donc le reste de ouate qu'il faudra mettre. Voilà, vous voyez, j'arrive à la fin de ma couture, il me reste un petit espace, donc j'ai déjà mis un petit peu de ouate. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. En passant des deux côtés. Et ensuite, on va finir la couture. Et voilà, il ne restera plus qu'à bien répartir votre ouate, bien mettre en forme votre anneau et de faire les autres tailles d'anneaux. Voilà, donc j'ai terminé tous mes anneaux. Donc au total, j'en ai fait 4. J'en ai fait un avec 60 mailles en l'air. J'ai sauté la première maille, la dernière maille en l'air que j'ai réalisée. Et j'ai fait du coup 59 mailles serrées en aller-retour. Ici, nous avons nos mailles en l'air, donc de 55 mailles en l'air. On saute une maille, on vient faire 54 mailles serrées en aller-retour. Ici, nous avons celui de 50 mailles en l'air et du coup 49 mailles serrées en aller-retour. Et le petit dernier de 45 mailles en l'air, on saute une maille en l'air et on vient faire 44 mailles serrées. À chaque anneau, j'ai fait 20 tours de mailles serrées. Donc au total, il y a à chaque fois le même nombre de rangs. Il n'y a pas le même nombre de mailles en l'air, mais le même nombre de rangs. Voilà. Donc nous avons terminé pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et surtout n'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Donc la partie 2, la partie où on fera donc les jambes, les bras, la tête de la girafe. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le petit jouet pour bébé d'encastrement. Donc c'est la partie 1. Dans cette partie, je vous montre comment faire le socle et les anneaux de différentes tailles. Dans la partie 2, je vous dirai comment faire la tête. Donc au final, ça sera une girafe pour nous. Donc la tête de la girafe, les bras et les jambes avec la queue et tout ce qui va, tous les détails qui vont avec. Donc pour ce tutoriel, il vous faudra des pelotes aquarelles de chez Loupation, notamment la jaune.